C'est dans ce bâtiment des facultés universitaires de Cherat qu'une équipe de chercheurs a fait l'incroyable découverte. Tout est parti de ce vase conçu il y a plus de 5 siècles en Amérique du Sud. Nous avions dans nos réserves quelques vases qui étaient là depuis plusieurs générations et auxquels personne ne s'était intéressé. On a procédé à une série d'analyses et on s'est rendu compte que l'un des vases, d'apparence tout à fait anodine, se révélait contenir du son. Vous avez bien entendu, je veux dire, du son contenu sur la surface du vase. Le son a été enregistré accidentellement par le potier au moment où il a procédé au décor de son vase à l'aide d'une longue tige, on peut le supposer. Du son ambiant a été enregistré grâce aux fréquences sur la tige et ainsi a été préservé dans l'argile de la terre. D'autres poteries sont actuellement en cours d'analyse et les résultats sont plutôt parlants. Un fragment de phrase prononcé en latin il y a presque 2000 ans a été retrouvé sur un vase antique originaire de Pompéi. Il faut envisager que d'ici quelques semaines, si l'enregistrement s'avère tout à fait intéressant, les facultés universitaires de Cherat-Hooter vont sortir un CD avec ces enregistrements et donc on pourra le retrouver dans les bacs, comme on dit, d'ici quelques mois, on peut l'espérer. Et en attendant de pouvoir apprécier l'album, Credo quia absurdum.